Salut à tous, c'est Indeday, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Car Detailing Simulator. Un jeu dans lequel je vais devoir car détailler simulation. En gros, un jeu dans lequel je vais devoir gérer des bagnoles, les acheter, les retaper pour les revendre. Allez, c'est parti les gars, on y va. Imaginez une vidéo complète avec cette voix là. Imaginez une vidéo complète comme ça. Encore un client qui va acheter une bagnole. Faut que t'aies le budget mon pote, ça partira pas comme ça. Imaginez une vidéo comme ça. À l'enfer. Oh, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Ouh, c'est moi le boss les gars. Ok les gars, c'est parti. Bon, faut que je me déplace, ok. Par contre le jeu est joli honnêtement. Nettoyer l'intérieur, donc là il y a le téléphone. Je me ramène, d'accord. Donc c'est pour me mettre sur la genou, d'accord. Espace c'est pour faire des petits sauts, je peux faire des petits sauts, d'accord. Je peux courir. Ça pour journal, nettoyer l'intérieur de la voiture, tutoriel. Alors rien à foutre du tutoriel. Wow, on peut ouvrir et faire... Wow, stylé. Ok. Alors, faut que je récupère ça, du coup, c'est ça. Kit de carrosserie. Ok. Comment ça marche? La roue. Équipement. Ok, d'accord, on va vaporiser de la mousse. Donc là, je découvre vraiment le jeu, honnêtement. Donc là, ils me disent que c'est vert, c'est que c'est ok, je pense. Voilà, je pense que là, on est bon. Là c'est pareil, hein, on y va. Ah, on peut voir la saleté, d'accord. Donc on a vraiment un onglet, d'accord, pour voir ça. Ok, je vois le délire. Là on est bon, voilà, tout ça c'est sale, on y va. Donc le capot est censé être nettoyé. Ok. Donc là on nettoie une bagnole. Je vois le délire. Bon après c'est relativement sympa pour l'instant. C'est quand même assez satisfaisant dans l'ensemble en vrai. Voilà, on y va. Là, on est à peu près bon. Ok, il reste tout le derrière qui est tout crade. Ok, je vois le délire. Voilà, le derrière, encore, on nettoie. On s'est pas fini. Hein. Moi, je nettoie tout ça. Hein. Je veux que ce soit bien propre. Hein. Voilà, comme ça, on est bon. On est grave bon. Ok. Ouvrez menu inventaire. D'accord. Maintenant, nettoyage à haute pression. D'accord. Ok. Donc ouais, c'est quand même assez satisfaisant dans l'ensemble. On nettoie tout ça, d'accord. Donc il suffit d'un coup de mousse et un coup d'eau et ça part. Ok. J'ai pas le permis, donc j'ai jamais nettoyé de voiture de ma vie. Bon, je vais bien admettre que je sais pas si c'est vraiment crédible ou pas, mais ça me paraît un peu gros. Après, le but, c'est pas d'embêter le joueur non plus, en vrai. Hein. Je pense que voilà, faut que ce soit cool quand même et fun. Donc je pense que la crédibilité, c'est un petit peu... C'est pas le but du jeu non plus. Ok, on y va. Ok. On envoie. Bon, pour l'instant, ça nettoie bien. Hein. C'est assez satisfaisant dans l'ensemble. Parfait. Le jeu est quand même plutôt beau dans l'ensemble, en vrai. Hein. Le jeu est quand même plutôt beau dans l'ensemble, donc ça va. C'est assez appréciable encore. Ok, là on nettoie la vitre aussi, hein, pendant qu'on y est, il n'y a pas de raison. Voilà, on nettoie ce qu'on peut. Là c'est tout crade. Ok, tout ça, ça c'est toi, c'est propre, c'est du propre. Ah bah c'est du propre. Ok, là on est bon. Tout ça, ça c'est toi comme il faut. Au travail, terminez maintenant les tâches, d'accord. Terminez les tâches restantes. Rincez la mousse, d'accord. Donc ça c'est fait, maintenant il faut que j'essuie la carrosserie. Avec le chiffon, d'accord. Ah ouais, c'est sensuel. Waouh, tu fais l'amour avec ta voiture. Ok, bébé. Eh ben écoute, ok. Alors ouais, par contre, j'avoue qu'on est tombé sur une voiture qui était bien dégueulasse. On est sur quelque chose de beaucoup, beaucoup plus propre. C'est clair que là, par contre, ça va être un peu long si je dois faire ça à chaque fois. Est-ce qu'il y aura moyen d'embaucher des employés? Non, parce que sinon, ça peut être très long quand même, on va pas se cacher, hein. Ok, on y va. Voir comment est le jeu, hein. Je connais pas du tout. Bon, par contre, j'avoue que c'est quand même... Là, ils ont réussi à m'avoir. C'est quand même très satisfaisant. J'aime pas spécialement les voitures ni rien, mais je trouve ça quand même très satisfaisant. Voilà, c'est comme ça quand on fait l'amour avec les voitures. C'est comme ça, voilà, on leur montre. Vas-y, bébé, fais voir ta carrosserie. Je tombais sur un mec comme ça qui kiffait de fou, genre de truc. À la télé, c'était une dinguerie. Le mec faisait l'amour avec sa voiture, il voulait se marier avec et tout, c'était une dinguerie quoi.
C'était une dinguerie. La voiture est lavée. D'accord, ok. Votre travail est terminé. Maintenant, toutes les tâches restantes, les autres kits d'étagères vous aideront. D'accord, alors on a un kit pour vitres. Ok, allons-y. Ok, j'en mets partout. Ah, faut en mettre sur les tâches, non? Non, c'est bon là, j'en ai mis partout, si tu crois que ça passe? Ah, je pense que là, c'est bon, hein. Le chiffon maintenant. Ok, d'accord, je vois le délire. Ouais, c'est quand même... C'est vachement détaillé. Franchement, le jeu est détaillé de fou. Il y a aussi derrière, du coup. Hein. Voilà. Normalement, avec ça, on est grave bien. Ok, allons-y. C'est de frotter sur partout au début, autour. Voilà. Ah, donc c'est vraiment grave détaillé, quoi. Après, il y a le mot détailing dedans, j'aurais dû m'en douter. Voilà, qui nous met bien. On va retirer ça, ok, et on va frotter de ce côté-ci. On frotte, on frotte, on frotte, et normalement on est bon. Voilà, ça me paraît pas mal. Ok. Nettoyer l'intérieur, d'accord, donc là normalement on a fini. Et bah écoutez, allons-y, hein. Donc hop, ouvrir, fermer. Je vais prendre ça. Aspirateur de voiture, moquette, poubelle, vas-y, bah. Waouh, non, par contre, j'avoue que c'est une dinguerie comment c'est hyper... Ah, c'est bien détaillé, hein. C'est clair que là... Par contre, ça me coûtait plus cher de spray qu'autre chose, mais c'est pas grave. Ouais, un peu dedans sur les techos aussi, là, voilà, balance, 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 balance. Là aussi, un petit peu, là aussi, voilà, puisqu'on fait dans le détail, on y va, hein. Et là, je vais prendre aspirateur. Donc, maintenant, faut que je fasse aspirateur, là. Ah oui. Non, ça reste vraiment... c'est quand même vachement, vachement agréable. Ok. Bon, il est temps maintenant de rentrer à la maison. Donc, on va quand même prendre le temps de tout fermer. Parce qu'on n'est pas des... On n'est pas des... des sagouins, comme on dit. Je range mon kit intérieur. Et du coup, raconte-moi. Quelle est la suite, alors? J'ai hâte de voir. Elle a votre ordinateur pour choisir une tâche. D'accord. Donc là, c'est un peu notre hub. Je les en aide avec Abori 81. J'ai pas le temps de nettoyer et de laver la voiture. L'entreprise, les enfants, la famille, un chien, un gros chien. Tout le monde m'accompagne, mais personne ne veut nettoyer ce désordre. Alors, occupez-vous-en. Ok, d'accord. Donc là, il faut qu'on renettoie une voiture. Oh là 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 là, l'enfer. Placer la voiture. Bon, on la place. On va mettre la mousse partout. Donc en fait, on refait ce qu'on a déjà fait, mais cette fois-ci pour nous, quoi. Je crois que le reste, c'était une espèce de garage qui nous appartenait pas spécialement. Donc là, au moins, on est tranquille. Il faut tout recommencer. À l'enfer. Après, ça va. Si c'est que la carrosserie, ça peut aller relativement vite, en vrai. Parfait. Donc maintenant, on va vite fait laver ça. Donc après, faudra essuyer la carrosserie aussi. On peut pas juste la laisser sécher, non? Ça marche pas, ça? On peut pas laisser sécher la carrosserie classique? Y'a pas de possibilité? Voilà, parfait. On nettoie tout ça gentiment. Pas de raison. Voilà. On envoie du lourd. Tranquille. On balance tout ça. Allez hop, ça balance. Ok. Bon bah franchement. Alors c'est très American, fuck yeah. C'est un peu trop américain à mon goût, mais ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça reste cool. Après, je suis pas fan de vase et voiture, mais j'ai envie de me lancer un peu dans tout ce qui est. J'aime bien les simulateurs. Et là je trouve qu'en ce moment, il y en a pas mal qui arrivent et ça fait du bien. Pourtant je pensais qu'on avait déjà quasiment tout inventé en termes de simulation. Et je me rends compte qu'il y a encore quelques belles surprises. On va finir, attends, on va finir, on n'est pas des... Voilà, on va finir quand même. Voilà. Attends, faut qu'on essuie la carrosserie. Alors là, par contre, j'ai du boulot.
Là, j'ai du boulot. Donc la carrosserie, ça va, c'est pas les roues non plus. Alors, on frotte. La vue des saletés, enfin de l'eau en tout cas, est correcte. On n'a pas besoin de galérer pendant 3 pompes. Ça, je trouve ça cool. Ça reste aussi assez intuitif dans l'idée. Voilà. On nettoie encore. Bon, bah écoutez, j'espère que je vais pas faire ça à vie non plus, mais le jeu a l'air quand même... Enfin, le jeu, franchement, est assez poussé. Je suis assez content dans l'idée. Voilà, balance-moi tout ça en frotte. On enlève l'eau. Voilà, la voiture a été lavée. Alors, reste un petit peu là, voilà. Comme ça, on est tranquille. Après, c'est moi qui vais dans le détail, là, maintenant. Ok, tu vas être au téléphone pour t'amener la commande. Prenez une photo de la voiture, d'accord. Voilà, j'ai pris la photo, c'est bon, on n'en parle plus. Ah, t'as le avant-après, d'accord. Non, c'est des bonnes idées, hein. Le développeur a eu de très bonnes idées en vrai. Hein. Non, bravo à lui, franchement, c'est cool. C'est cool, moi je suis d'accord. C'est vraiment bonnes idées. Je valide. Sur ordinateur pour choisir la commande. Donc là, on a Scratchy McGee. La voiture ne brille pas comme au bon vieux temps. Polissez la carrosserie, prenez soin de la brillance. D'accord, et bon, on va accepter la tâche. Et bah, vous savez quoi, on va même la faire dans la prochaine vidéo sur le jeu. Le jeu est cool et franchement, oh, c'est quoi? Non, vas-y, on va pousser un peu, on va le faire ensemble. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Lâchez un petit pouce bleu, commentaire qui fait plaisir, ça soutient la chaîne, surtout en ce moment. La chaîne a vraiment, vraiment besoin. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire. Ok, parfait. Choisissez le kit de polissage. Et bah, allons-y. J'aurais dû regarder le tuto, je crois. C'est pas grave. Je sais pas, je crois que je la règle la voiture, je fais quoi avec ça en fait? Ah non, c'est pour voir, d'accord. C'est une lampe pour voir toutes les rayures et tout qu'il y a sur la voiture, d'accord. Donc ça, ça met en avant les saletés, je crois que c'est ça. Hein. Faut d'abord, je lave la voiture. Oh, l'enfer. Bon, on va laver la voiture, du coup, c'est pas grave. Le pic est où là-bas? Voilà, c'est là-bas. On y va. Donc on va mettre de la mousse. Hein. D'accord, donc on va tous retaper. Alors en vrai, je vais essayer de faire 100. Juste, je vais retirer la mousse là où je vois de la mousse. Et puis, je vais essayer de faire sans le truc rouge. Je vérifie quand même de temps en temps pour voir. Mais non, ça marche. Donc, faut vraiment juste enlever la mousse et puis c'est bon, quoi, théoriquement. On enlève la mousse et c'est bon. Tac, 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 tac. Ok, donc après, il faut que j'aille essuyer la carrosserie. Une fois que la carrosserie est essuyée, je peux enfin aller la polir. Ah, donc là, c'est une grosse commande. J'espère vraiment que je vais gagner ma thune avec ça, moi. Parce que bon, il est marrant le frérot, mais vu ce que ça coûte là, en eau et tout. Surtout en temps en fait, hein, pour le coup, parce que l'eau ça va. Il n'y a pas moyen de réutiliser l'eau d'ailleurs. Je pense que les carrossiers ils arrivent à réutiliser l'eau, non? J'espère du moins, sinon ça va coûter une blinde quoi, en eau. Puis v'là le gâchis d'eau quoi. Tac, 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 chiffon, on y va. Voilà, par contre, j'ai tenté d'y aller en mode. Mode YOLO, hein. Je vais pas me prendre la tête là, hop, tout ce qui est rouge on dégage. C'est bon pour toi, c'est bon pour toi. On y va. Ah merde, ça remet de l'eau parce que justement j'ai trop d'eau. Ok. On essuie tout ça. Là, une voiture noire, tu vois que dalle. Hein. Avec moi la voiture noire, tu vois que dalle. Donc là j'avoue que le truc rouge, je suis bien content de l'avoir. Voilà, c'est bon, c'est fini. Ok, donc là maintenant il faut qu'on aille polir la carrosserie, donc kit de polissage. Ok, donc là il faut que je prenne mon polissage, c'est ça? Je vois rien, je vois même pas la différence. Ah, faut que je prenne, à mon avis, faut que je prenne la torche pour montrer tout ce qui va pas. Bah, ouais. Ouais, enfin là je vois pas trop là du coup. Je vois pas à quoi ça sert du coup. Je vois pas. Bon écoute, on va voir. On polie. Il va y avoir un truc, non? Comment je sais où je dois passer? Ah, d'accord. Ok, comme ça, d'accord, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris. Donc je l'avais déjà fait, donc on est bon. Donc là, faut juste que je repasse par-dessus les saletés, ok. Et ça va polir la voiture. D'accord. Ah ouais, je découvre totalement, hein. Ok, on est bon. Là, on y va, tout ça, on y va, hop, on polie. Oui, sa carrosserie n'oublie pas de réappliquer la pâte de temps en temps. Ah ouais, d'accord, comme ça.
Là, faut que je mette de la pâte. D'accord. Ok. Ok, je vois. Ah ouais, c'est poussé, hein. Bon, c'est souvent certes les mêmes mécaniques, je suis d'accord. Mais en vrai, c'est poussé, hein. Ah, c'est bon, c'est bien, bien poli, là. On n'en parle plus. Ok. J'utilise le téléphone pour terminer la commande. D'accord, et eh bien écoutez, c'est parfait. J'utilise le téléphone. Je rends la voiture. Yes, let's go. Ok, donc là, on a gagné quoi? 5 minutes 36, ça va. On a gagné 250 balles en 5 minutes, ça va. Moi, je dis oui. Je dis ok. Eh bien écoutez, vous savez quoi? On va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo, sinon elle va vraiment être trop longue. Merci beaucoup d'avoir regardé. Abonnez-vous et je vous dis à plus tard. Ciao!